Il y a du prof qui est parti en voyage scolaire, effectivement. Il y a surtout une grande scène, effectivement, à laquelle j'ai assisté, enfin que j'ai pas pu m'empêcher de replacer dans le roman parce que ça me semblait tellement cocasse que voilà. Mais sinon, le reste, c'est tout de même inventé. Le parcours, c'est un parcours classique, et donc l'histoire était construite autour de ce parcours. Et bon, surtout, ce que j'ai eu envie de faire, c'est d'essayer de retrouver l'intensité des sentiments qui se développent au cours d'un voyage, qui est une sorte de petite vie en condensé. Voilà, à la fois très long et en même temps très court. Donc le tout dans un esprit un peu léger et puis drôle. Ce qui m'amusait aussi, c'était de travailler sur la polyphonie, c'est-à-dire de reconstruire le voyage un peu comme un puzzle à différentes voix. Au départ, dans mon idée, les profs devaient également parler, et puis finalement j'ai trouvé ça plus intéressant de tout médiatiser par la sensibilité des élèves, donc qui vont percevoir les profs de façon un peu différente puisqu'on est en voyage, donc il y a forcément une présence qui est différente que dans le cadre de l'enseignement, et puis les voir sous un jour complètement inattendu.